Un endroit où l'on peut se faire des amis pour la vie. Où tout nous semble permis quand on monte le chevaux et qu'on se sent libre. On est des amis, prêts pour l'aventure. On voit du pays sur nos splendides montures. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Sarah perd confiance en elle en essayant de dresser un cheval plein de fougue. Ce cheval a besoin de moi et je n'arrive pas à l'aider. Sarah aura-t-elle assez de patience? Si jamais je n'arrive pas à le dresser d'ici demain, Diablo va devoir s'en aller. C'est... Je crois qu'on appelle cet objet une caméra vidéo, Carlotta. Les humains s'en servent... Oui, je sais très bien ce que c'est. La question est, pourquoi est-elle ici? J'ai trouvé. Ils veulent sûrement tourner un film sur ma vie. Pourquoi ils tourneraient un film sur toi, Carlotta? Mais enfin, parce que je suis une future vedette. Personne ne ferait un film sur la vie d'une truie. Oh. Tandis que moi, ma chère, je suis une chatte. Oh, et où veux-tu en venir? C'est bien connu, les chats sont des animaux intéressants. Tout ce que nous le faisons avec légèreté, agilité, grâce et... Et on est... Oh. Quelquefois, il arrive qu'on puisse avoir un peu trop confiance en soi. Mais ce n'est pas le cas de Sarah dans cette histoire. Dis, Rosa, qu'est-ce que tu fais? Je brosse. Ton livre doit être passionnant parce que tu n'as pas l'air très concentrée sur la crinière de Panache. Désolée, Panache. Bonjour. Waouh, Calypso est vraiment très belle. Qu'est-ce qui se passe, Marie? Je crois que je ne t'ai jamais vue aussi élégante. Raconte-nous. Rosa, tu veux dire que d'habitude, je ne suis pas aussi élégante? Je plaisante. Tu as raison. Aujourd'hui, c'est un grand jour. J'enregistre une cassette pour le concours des jeunes journalistes de la chaîne équestre. Oh. C'est vrai. Voici Marie Bosquet, notre future grande journaliste. En direct d'Osland. Nous aussi, on veut être journaliste. Vous aussi? Nous allons faire notre propre émission. Et vous allez voir à quel point nous sommes doués. Allez, viens Marie, mettons-nous au travail. Tu dois être parfaite. Et quel va être le sujet de ton reportage? Je vais parler de Sarah. Nous avons de la chance d'avoir une amie qui partage un secret avec les chevaux. Sarah est comme tout le monde. Elle ne partage aucun secret avec les chevaux. Tu crois que n'importe qui est capable de faire ce qu'elle fait? Elle a un don. Mais oui, Zoé, rappelle-toi le jour où Sarah a aidé Pepper qui s'était blessé en sautant un obstacle. Et aussi le jour où, grâce à elle... Alors, Sarah aurait un don d'après vous? Vous croyez qu'elle parle avec Carlotta et qu'elle comprend le langage des chats? Oui, et peut-être les souris aussi. Elle comprend ce qu'elles disent. Sarah! Quelle bonne surprise! Nous étions en train de parler de toi. Je sais, j'ai entendu. Hic, hic, Zoé! Oh. Nous ne t'avions pas entendu arriver. Je suis contente de te voir. Oui, moi aussi, Rosa. Dépêchons-nous. Au travail, Basile. Attention, Marie, ça tourne! Bonjour, Marie Bosquet, en direct d'Horsland. Dans le milieu de l'équitation, certaines personnes prétendent savoir parler aux chevaux. Mais en réalité, ce don est très rare. Je suis en compagnie de mon amie Sarah qui, elle, a vraiment ce don. Viens me rejoindre, Sarah. Ne sois pas timide. Sarah, raconte-nous comment tu as appris à communiquer avec les chevaux. Je ne sais pas parler aux chevaux. Je n'ai jamais appris à parler dans leur langue. Je ne les comprends pas quand ils hennissent et je ne devine pas à quoi ils pensent. Mais Sarah, je t'ai vu faire des merveilles. Je sais que tu peux le faire. Faire quoi? Parler aux chevaux. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. J'aime les chevaux, mais je n'ai aucun don mystérieux. Vraiment. Coupez! Nous ne pouvons pas travailler dans ce bruit. Bonjour, Sarah. Tu peux m'aider? Mélanie? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est une longue histoire. Calme-toi, Diablo. Dan, je m'en occupe. Il est sûrement nerveux à cause du voyage. Doucement, Diablo. Ce cheval est vraiment magnifique. Va chercher la caméra. J'y vais. Oh, Diablo. Tu as vu, il ne veut même pas que je le touche.
Filme Sarah et Diablo, s'il te plaît. D'accord. Doucement, Diablo. Regarde-moi. C'est bien. Maintenant, Mélanie, je vais l'amener dans un box. Sarah nous a montré comment faire pour calmer un cheval en le regardant simplement dans les yeux. Elle lui a fait comprendre que c'est elle qui commandait. C'est bien, Diablo. Continue. On y est presque. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais je crois que nous allons avoir de la visite. Oui, un nouveau venu. On est arrivé. Voilà, ne t'inquiète pas. Je vais te laisser le temps de t'habituer à ce box. Basile, arrête de filmer, tu lui fais peur. Vous l'avez vu de vos propres yeux. Ce cheval, agité, énervé par un long voyage, vient d'être apprivoisé en douceur par la grande magicienne du dressage, mon amie Sarah. Elle dit qu'elle n'a aucun don particulier, mais moi je suis convaincue du contraire. C'était Marie Bosquet en direct du ranch d'Orsland pour la chaîne Équestre. Tu peux couper. Waouh, je suis très impressionnée. Tu sais que tu as vraiment tout d'une vraie journaliste. Mélanie, je n'avais pas vu que tu boitais. Je suis tombée de cheval. J'ai essayé de sauter un obstacle trop haut. Et depuis ce jour-là, Diablo ne laisse plus personne le monter. Tu veux bien essayer de m'aider, Sarah? S'il te plaît. D'accord, bien sûr, mais qu'est-ce que tu attends de moi exactement? Tout le monde sait que tu parles aux chevaux. Dis à Diablo que je l'aime beaucoup, qu'il faut qu'il me fasse confiance. J'ai connu Diablo quand il était encore un tout petit poulain. Mais s'il n'accepte plus que je le monte, mes parents ne vont pas vouloir le garder. Ils sont d'accord pour le laisser quelques jours ici à Orsland. Je veux retrouver mon gentil Diablo. Oh, je vais essayer. Ne te fais pas de soucis, Mélanie. Je ferai de mon mieux. Merci, Sarah. Je suis sûre que tu vas y arriver. Au revoir, à bientôt. Au revoir, Mélanie. Alors, le nouveau, comment tu t'appelles? Je m'appelle Diablo. Tu vas rester quelques jours à Orsland? Je ne sais pas exactement combien de temps. Mais pourquoi es-tu ici? Je ne suis pas très obéissant. Ah, tu as mauvais caractère. On peut dire ça. Je suis un cheval difficile. Écoutez, Mélanie est mon amie. Je dois faire quelque chose. Elle compte sur moi pour l'aider à dresser Diablo. Réfléchis, Sarah. Son cheval est capricieux. Oui, ce genre de cheval a des réactions imprévisibles. C'est dangereux. Est-ce que tu sais ce que veut dire Diablo en français? Diable! Tu risques de te blesser en essayant de le dresser. Je sais bien, mais je veux aider mon ami. C'est bien. Je suis ton ami, Diablo. Personne ne te veut de mal ici. C'est très intéressant de voir Sarah au travail. Diablo est un cheval très intelligent, plein de fougue, mais qui refuse d'obéir. Si vous voulez bien me suivre, je vais rejoindre Sarah au centre de la carrière. Je viens avec toi. Je serai accompagnée par une excellente cavalière qui est aussi une grande spécialiste des chevaux, Rosa Rodriguez. Allons-y, Rosa, allons retrouver Sarah. C'est bien. Regarde-moi. Fais-moi confiance. Sarah, cela ne te dérange pas si on te regarde travailler? Marie! J'avais presque réussi à l'apprivoiser. Maintenant, la magie ne sera plus la même. Oh, désolée. Tu as parlé de magie? J'en étais sûre. Je savais très bien qu'il y avait quelque chose de magique. Dis-nous, Sarah, tu as un secret? Non, non, c'était juste une façon de parler. Je suis dans la carrière en compagnie de Sarah. Nous parlons de la magie qui existe entre un cheval et certains cavaliers. Il n'y a rien de magique. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe, Scoop? Eh bien, Lily, Sarah veut simplement dresser Diablo. Rosa croit connaître le secret de Sarah et Marie ne pense qu'à faire son reportage. Marie n'a pas fait le bon choix. Elle aurait dû faire un reportage sur ma vie. Chloé, tu es sûre que Marie n'a aucune chance de gagner le concours des jeunes journalistes de la chaîne Équestre? Oui, j'en suis sûre. Marie est incapable de travailler sérieusement. Et en plus, elle n'a vraiment pas de talent pour être journaliste. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver si elle gagnait et pas nous. Ce serait vraiment très humiliant. Elle deviendrait célèbre et personne ne ferait plus attention à nous. Oh, je ne préfère pas y penser. Il faut qu'on trouve une solution.
vais essayer quelque chose de nouveau. Si j'étais à ta place, je me contenterais de les regarder. Elles sont pour Diablo. Oui, et tu n'as pas envie que Diablo se mette en colère, Lily. Oh non, mais dis-moi, Scoop, pourquoi est-il si nerveux? C'est vrai que Diablo est un cheval fougueux, mais j'ai l'impression qu'au fond de lui, il est très gentil. Tu n'aimes pas voir cette bride, c'est bien ça? Tu crois que tu es responsable de la chute de Mélanie? Cette pomme a l'air délicieuse. Elle est très bonne. Tu en veux une? Elle est pour toi, mais tu dois venir la prendre dans ma main. Ah, tu vois, ce n'était pas si difficile. D'accord, Diablo, nous avons tout notre temps. Mais tu sais, je ne vais pas abandonner aussi facilement. Sarah vient de nous montrer les qualités qu'un bon dresseur de chevaux doit avoir. Patience, persévérance, gentillesse et surtout aimer vraiment les chevaux. Est-ce que tu peux arrêter de filmer un instant? La caméra rend Diablo nerveux. Et moi aussi, d'ailleurs. D'accord, bien sûr. Très bien, on arrête. D'accord, Marie est douée, mais quand ils nous verront sur la cassette, ils découvriront de vrais journalistes. Bon, attention, on tourne. Zoé, tu peux nous dire si tu es fière de posséder un des plus beaux chevaux au monde? Tu veux dire le plus beau cheval de la planète? Non, j'ai bien dit un des plus beaux chevaux au monde. Bon, assez parlé de toi, à mon tour. Nous n'allons quand même pas les laisser faire. Sûrement pas. J'ai bien une idée, mais j'ai besoin de votre aide à toutes les deux. Ne compte pas sur moi. Je ne veux pas me mêler des affaires des humains. Si Chloé et Zoé gagnent ce concours, elles seront trop occupées avec leur carrière de journaliste. Et elles n'auront plus le temps de s'occuper de toi, Carlotta. Ce qui veut dire, fini les caresses que tu adores. Alors, quel est ton plan? N'aie pas peur, Diablo. Tu as pourtant déjà vu une bride. Voilà, c'est bien. Juste toi et moi, Diablo. Waouh, elle a réussi. Je regrette de ne pas l'avoir filmée. Moi aussi, mais une promesse est une promesse. Pas de caméra avant que Sarah ne soit d'accord. Chloé Roquefort en direct des écuries d'Orsland. Je vais vous présenter le plus incroyable. Zoé Roquefort en direct des écuries. Nous voici de retour. Oh, merci beaucoup, Zoé. Regarde où tu mets les pieds. Excusez-moi, mais vous n'auriez pas vu ma... Caméra vidéo? Rends-la-moi. Nous voulions juste l'essayer. Doucement. Ne t'en va pas, Diablo. Tu m'as laissé te mettre la bride. Il faut qu'on continue. Comment veux-tu que je t'aide si tu ne me laisses pas faire? Tu dois avoir confiance en moi. Oh non, j'ai oublié d'éteindre mon portable. Allô? Oh, Mélanie, excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ils vont venir chercher Diablo. Comme c'est dommage. Diablo a fait tellement de progrès depuis son arrivée grâce à toi. Les parents de Mélanie veulent s'en séparer. Ils n'ont plus confiance en lui depuis l'accident et préfèrent qu'elle monte un autre cheval. Si je n'arrive pas à le dresser d'ici demain, Diablo va devoir s'en aller. Il faut que tu continues à le dresser. Je sais, mais malheureusement, il ne fait pas de progrès. Ce cheval a vraiment besoin de mon aide, mais je n'arrive pas à l'aider. Sarah, ce travail de dressage que tu as commencé avec Diablo est très difficile. Je crois que tu as besoin d'une petite pause. Pourquoi tu ne vas pas faire une promenade? Tu as raison, c'est une bonne idée. Je vais monter Scarlett.
Diablo, fais un petit effort, enfin. Le temps presse. Si Sarah ne parvient pas à t'aider, Mélanie va devoir se séparer de toi. Et je sais que tu tiens beaucoup à elle. Bien sûr que je tiens beaucoup à elle. Mais tu as vu ce que je lui ai fait? Elle est tombée à cause de moi. Alors si tu es aussi nerveux, c'est parce que Mélanie est tombée? Diablo, tu sais, moi aussi j'ai fait des erreurs et Marie est tombée quelquefois. Marie ne s'est pas blessée, Mélanie si. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Laisse-moi tranquille. Arrête, Diablo. Prendre la fuite n'arrangera rien. Je n'ai pas besoin de tes conseils, Scoop. Je m'en vais. Oh, non. Je vais chercher de l'aide. Diablo, reviens! Il faut essayer de le rattraper. Apporte la caméra. Ah, oh, Scarlett. Je ne sais toujours pas quoi faire pour aider Diablo. Diablo? Il s'est enfui! Poursuivons-le, Scarlett! Il ne doit pas être loin, Scarlett! Diablo! Attends! Je vais escalader ces rochers et demander aux parents de Basile de m'aider. Ne t'inquiète pas, je reviens très vite. Mais alors, tu ne t'es pas enfui? Je ne sais pas ce que tu as exactement, Diablo. J'ai fait de mon mieux pour te venir en aide. Mais maintenant, j'ai besoin que tu m'aides à ton tour. Je vais te dire ce que tu dois faire. Tu vas me laisser monter sur ton dos et nous partirons tous les deux chercher du secours. Il est hors de question que tu refuses. Tu dois le faire, Diablo, pour Scarlett et moi. Mais surtout pour Mélanie et toi. Tu vois, ce n'est pas si dur. Ah, maintenant, je vais poser mes mains sur toi et monter sur ton dos. C'est parti. C'est bien, Diablo. Bravo. Scarlett, je reviens très vite. Ne t'inquiète pas, d'accord? Je vais chercher de l'aide. Tu es prêt? Allez, en avant. Basile, regarde. Sors vite la caméra. Sarah monte Diablo. Tu vois? Grâce à sa patience et à sa persévérance, Sarah a réussi à aller chercher de l'aide. Elle a vraiment un don particulier avec les chevaux. Diablo a retrouvé Mélanie, sa cavalière. Tout est bien, qui finit bien. Félicitations, oui, bravo Marie. Merci, j'ai deux grandes nouvelles à vous annoncer. La chaîne équestre a adoré mon reportage. J'ai gagné le premier prix du concours des jeunes journalistes. J'étais sûre que tu gagnerais, Marie. Tu vas tourner d'autres reportages? Oh non, je reste à Horsland. Tu as refusé? Si je fais d'autres reportages, je n'aurai plus le temps de monter. Et monter à cheval est très important pour moi. Pas vrai, Calypso? Est-ce que ton reportage va passer à la télé? Nous avons tous travaillé dur. Désolée, mais j'ai demandé à le garder. Sarah me l'a demandé. Merci. Je n'ai pas envie que les gens croient que je suis capable de parler aux chevaux. Je suis peut-être douée, mais ce n'est vraiment rien de plus. Qu'est-ce que tu en dis, Scarlett? Vous voyez, grâce à la patience et à la persévérance, Sarah a fini par gagner. Et maintenant, elle a de nouveau confiance en elle. N'est-ce pas, Lily? C'est vrai, Scoop. Je ne voulais pas montrer ces images devant Chloé et Zoé. Chloé Roquefort en direct des écuries d'Horsland. Je vais vous présenter le plus incroyable... Zoé Roquefort en direct des écuries. Oh! Ah, tchou!
tout. Oh. Oh. Eh bien, certaines personnes comme Chloé, Zoé et Carlotta ont toujours eu une grande confiance en elles. C'est dans leur caractère. D'autres, comme Sarah, ont besoin d'être rassurées de temps en temps. Au revoir, à bientôt.